j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler de sol et je vais vous présenter donc un kit mop pour le sol, parce que vous savez que moi le sol c'est le problème de ma life. Ouais. Voilà, donc je vais vous parler de ceci. Tidin. Voilà, donc c'est tout simplement un balai pour le sol que j'ai reçu en collaboration avec, d'ailleurs je suis en train de nettoyer là, le côté parce qu'il y a quelques miettes, d'Aqua Clean Concept. Donc du coup, c'est un kit qui se présente avec un balai. Vous avez donc un embout à velcro qui permet donc de fixer des lingettes. Et ensuite, vous avez un manche en aluminium qui fait, je crois, 1,80 m, qui vous permet donc du coup de bien passer votre balai. Alors, il faut savoir donc que ce kit pour l'entretien du sol peut s'adapter donc avec différentes lingettes. Vous avez également un manche et donc un kit avec un réservoir pour l'eau si vous voulez éviter justement de rincer vos lingettes à chaque fois lorsque vous passez la serpillière. Donc vous avez directement un kit où vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous avez différents kits, donc regardez bien. Moi, c'est le kit sans eau que je vous présente là. Et je voulais vous en parler parce que vous savez que moi le sol donc c'est mon problème, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai toujours des traces, ça me gonfle. Donc je vous avais présenté une vidéo sur mon balai vapeur. Alors certes, le balai vapeur c'est bien, mais à chaque fois il faut le sortir. En plus de ça, j'avais pris la version avec le fil, et comment vous dire que je pense que finalement j'aurais préféré la version sans fil. Et donc du coup, j'avais envie quand même de quelque chose de rapide pour la semaine. Voilà, quand je fais à manger le soir, je ne vais pas parfois sortir mon balai vapeur. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que quand j'ai pas envie de passer 2 heures ou que je suis pressée, que j'en ai marre de faire le ménage, au lieu de sortir mon kit vapeur, je vais prendre ça. C'est beaucoup plus simple. Donc, alors ce que je voulais vous faire remarquer justement, c'est que déjà, il est très maniable. Vous voyez, le manche tourne vraiment dans tous les sens. Et ça, c'est très agréable parce que lorsque vous passez votre balai, vous pouvez vraiment bien passer sur tous vos meubles. Il est très maniable. Vous ne prenez pas la tête à vous dire, oh là là, il faut tourner, il faut aller dans l'autre sens parce qu'il ne passe pas. Non, franchement, voilà. Ensuite, vous avez donc un côté comme ceci qui est velcro. Donc, très simple, hein. Vous posez votre lingette par terre, vous mettez votre balai dessus et ça accroche. Donc je vais vous présenter 2 lingettes qui m'ont été envoyées. Donc celle-ci qui est en microfibre et donc qui permet justement, alors elle est un petit peu sale là parce que je l'ai utilisée hier soir, je ne l'ai pas lavée, qui permet donc de s'utiliser soit sec, soit mouillé. Et donc, il va avoir un côté électrostatique, donc il va accrocher toutes les poussières, les miettes, les choses comme ça. Et un côté donc lipophile qui va accrocher également toutes les graisses qui se trouvent sur votre sol. Donc, celle-ci peut s'utiliser également sur les plinthes, sur les murs, sur les plafonds, bien sûr à sec, hein, pour nettoyer en fait vos poussières, si vous faites des travaux que vous avez poncés. Voilà, si vous voulez vraiment un petit peu faire le ménage aussi sur vos murs, hein, ça se fait. Vous pouvez donc utiliser cette lingette là qui est à base de 70% de polyester et 30% de polyamide et qui se lave donc également en machine. Donc moi je l'ai utilisé et c'est vrai que du coup, par rapport à un balai classique, lorsque l'on passe ça, hein, alors je dirais pas que ça enlève toutes les grosses saletés, hein, parce que les saletés, ouais, elles se collent dessus, mais on va dire que ça les pousse. Voilà, vous pouvez emporter les saletés avec le balai, certes. Certaines vont rester accrochées. Par contre, ça accroche très bien les poils, les cheveux, la poussière. Et c'est vrai que du coup, moi je le passe le soir parce que souvent on a des petites saletés. Moi j'ai un sol qui accroche beaucoup la poussière. Et c'est vrai que depuis que je l'ai utilisé ce week-end, donc pour la première fois, par rapport à d'habitude, où je passe mon balai, où je passe mon aspirateur, on sent toujours après une espèce de pellicule lorsque l'on marche par terre avec des... Pourtant, c'est propre, hein, croyez pas que je suis sale. Hein. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours, on sent qu'il y a une pellicule de poussière qui s'est mise un peu par terre et sous vos pieds, vous avez tendance à frotter vos pieds, vous avez des petites peluches qui tombent en fait parce que tout simplement, c'est sur le sol. Et c'est vrai que je passe ça, ça me prend 2 secondes. Et du coup, lorsque je marche par terre, je sens vraiment une différence. Voilà, j'ai plus de,
j'ai plus de pellicules, de petites poussières qui se met au bout de quelques jours sous mes pieds. Et ça, c'est vraiment agréable. Ensuite, donc, je voulais vous présenter le mop grattant. Donc celle-ci, en fait, c'est la même chose. Celle-ci s'utilise pour les sols, hein, pas pour les murs. Et elle a un côté grattant. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, toute la partie bleue comme ceci, c'est un peu plus rugueux. Et ça va permettre vraiment de mieux décrocher les saletés sur votre sol. Donc moi, je préfère celle-ci tout simplement parce que je préfère celle-ci pour le nettoyage du sol, pour passer à la serpillière. C'est-à-dire que je l'humidifie et je passe ma serpillière avec. Parce que des fois, lorsque je fais le ménage, je fais tomber des gouttes d'eau ou il y a du gras qui va tomber. Vous savez, après, ça sèche et ça fait comme des petites taches en fait sur le sol. Et je trouve que du coup, avec le côté grattant, ça nettoie vraiment bien. Et je suis vraiment restée bête quant à la qualité de ça. Pareil avec mes chaussures. Là, en ce moment, je sais pas, je fais des traces noires, vous savez, des traînées de chaussures. Et alors déjà, avec le balai poussière, ça l'avait enlevé parce que j'ai essayé humide aussi. Ça l'avait enlevé un petit peu, mais alors avec celui-ci, ça marche encore plus. C'est vraiment top. Et ce que j'aime aussi, c'est que je suis restée impressionnée de la vitesse à laquelle je passe ma serpillière, parce qu'on s'en rend pas compte, mais du coup la surface est quand même très grande. Et comme je vous l'ai dit, le balai est très maniable, donc du coup en fait vous la passez rapidement. Ça se manie tellement bien qu'en fait, je sais pas, ça se fait naturellement, vous passez les contours, hop hop hop, vous n'avez pas calculé, attends, faut que j'aille doucement, là comment je vais faire, je passe bien le rebord, je le frotte bien, non là c'est tac 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 tac, en 2-2, enfin vous faites votre sol et c'est génial. Donc bien sûr, ces lingettes sont lavables en machine et de préférence dans un sachet comme ceci. Donc ça, vous pouvez le trouver sur le site. Hein, sinon, vous pouvez trouver, vous savez, pour la lingerie, des choses comme ça, pour éviter en fait que d'autres particules se collent à vos fibres. Pareil pour vos chiffons en microfibres et tout. Il faut vraiment les laver là-dedans puisque ça va permettre d'éviter d'avoir des saletés qui se mettent. Il ne faut pas utiliser d'adoucissant sur vos microfibre, hein, c'est vraiment pas bon, ça va enlever leur capacité d'absorption. Alors il faut savoir que ces lingettes sont utilisables sur les parquets, les carrelages, les vinyles, les sols marbrés, les bois, etc. En fait sur tous les types de surfaces. Il suffit tout simplement donc, de les humidifier, vous les essorez, vous les mettez sous votre balai, vous recommencez et après quand vous changez de pièce, et bien pareil, vous la renlevez, vous la nettoyez un petit peu, vous la rincez, vous la humidifiez, vous repassez votre balai. Donc elle a un pouvoir lipophile, absorbant et électrostatique. Il faut savoir que donc, ces produits sont garantis 2 ans hein, quand même. Donc ils sont également satisfaits et remboursés si vous n'êtes pas content de ce que vous avez acheté. Et n'hésitez pas à regarder parce qu'il y a énormément de produits, de kits sur le site. Donc regardez bien si vous avez autre chose qui vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.